Salut chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant Capricorne, cette guidance est la vôtre. Donc pour le coup, je vous invite, si vous êtes ici pour le solaire, à consulter la vidéo de votre ascendant et si vous avez le temps et l'envie, pourquoi pas de votre lune. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, eh bien, bienvenue à vous, je suis Virginie et pour mes abonnés, merci pour votre fidélité, votre soutien. Cette guidance est en deux temps. Partie oracle et puis partie tarot recouvert du petit Lenormand. Sachez qu'en ce mois, il y aura aussi une vidéo spéciale sentimentale qui sera postée ultérieurement, plus ou moins 5 à 10 jours après la publication de celle-ci, afin de faire durer le plaisir. Allez les Capricornes, on va voir un peu pour vous le message de ce mois de mai. On nous parle de la maison, bah, c'est votre maison, la maison de la carrière, la maison de la destinée, la maison du social. Ici, on parle aussi d'accomplissement, d'être sur le podium. On vous parle aussi, pour certains, si quelque chose ne va pas dans votre carrière, si quelque chose ne va pas sur votre statut social, il se peut que vous le conscientisez, voire que vous posiez des actes pour le changer. Donc ça peut être un changement en favorable, ça peut être un changement suite à un échec, ça peut être un accomplissement d'un travail de plusieurs mois, de plusieurs années pour certains d'entre vous. Mais voilà, le secteur dans lequel ça peut se passer, enfin ça va se passer le mois en tout cas, le plus important va se jouer sur le secteur de la carrière. Et si vous ne travaillez plus, ça va être la place que vous occupez, par exemple, en tant que société, en tant que pensionné, par exemple, de retraité dans la société. Est-ce que on vous connaît pour être la personne qui aidait les autres? Est-ce que vous êtes reconnu pour quelqu'un qui fait partie d'une association caritative? Est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui on va demander service pour garder les enfants? Vous voyez? Donc, c'est comment les autres vous voient dans la société. Allez. On nous parle ici de la lune de libération. Donc ici, en phase 12, effectivement, la phase 12, c'est la fin d'un processus. C'est la fin d'un processus et c'est l'ultime fin d'une gestation avant la naissance de quelque chose de nouveau. La phase 12 pourrait être relative effectivement à la maison 12. Donc de nouveau, c'est la maison des fins. Donc fort à parier qu'il y aura quelque chose qui va se terminer pour vous pour ensuite laisser place à quelque chose de nouveau. Elle a les mains en moudra, je ne suis pas spécialiste, elle est ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé effectivement à l'utérus, à la gestation. Donc comme si pendant plusieurs mois, plusieurs années, vous avez géré en vous quelque chose pour renaître à autre chose. Ouvrez-vous au grand mystère et laissez faire. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Les choses sont en train de se placer. Ayez foi en votre bonne étoile, en l'univers. Et maintenant, lâchez prise, vous êtes libéré d'une situation, ami Capricorne. La première fois que j'ai cette carte aussi, elle est vraiment très jolie, je trouve. C'est la dernière phase, en fait. C'est la dernière phase que vous accomplissez au niveau de votre destinée. Allez, avec l'oracle des chakras, on nous parle de volonté, d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Ben oui, vous vous dirigez vers une nouvelle vie. Vous avez effectivement ce besoin d'accomplir certaines choses, certaines grandes choses. Vous avez la volonté, on vous demande d'être coriace, volontaire, de continuer votre direction, de continuer vers votre objectif. Et je trouve que c'est très capricornien pour le coup. Mais effectivement, avec la carte de l'expression, vous aurez peut-être à vous exprimer en ce mois, à prendre confiance en vous, à vous dire bah, c'est bon, peut-être que je vais donner une conférence ou quelque chose du style, et que là maintenant bah, c'est bon, je peux de façon publique avec la, je vous ai dit la maison 10, est-ce que de façon publique vous allez devoir vous exprimer?
être sûr de vous et puis y aller franco. Alors, excusez-moi. Avec l'oracle des portes de l'intuition, nous avons la famille. Alors déjà, j'ai plutôt cette idée que vous avez trouvé votre place, votre famille, famille de cœur, famille d'âme, peut-être des réunions familiales aussi, mais il y a cette idée d'être vous unis à d'autres personnes et qu'on se tient par la main et qu'on avance dans la même direction et qu'on se soutient. La famille est au cœur. Alors pareil, la destinée, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la famille par rapport à votre statut social, marié, en couple, paxé, un projet de famille? Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors ça, c'est important, on pourrait être relatif ici à la maison 4. Ce qui est intéressant, c'est que la maison 4, c'est dans le même axe que la maison 10. Donc, l'accomplissement, le statut social, ce que vous opérez dans la société et votre accomplissement personnel dépend aussi de votre héritage familial, transgénérationnel. Quelque chose, c'est comme on ne peut pas faire l'un sans l'autre, même si les deux paraissent des fois difficiles à joindre et trouver un équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Donc n'occultez pas votre force liée à votre passé, vos ancêtres, au détriment de ce vers quoi vous allez. Enfin, je pense que les deux vont vouloir et pouvoir cohabiter ensemble ici, parce qu'on vous dit de vous appuyer sur vos acquis. Et aussi, est-ce que vous devez faire la paix avec une histoire de famille, avec un membre de famille? On avait vu la lune de libération. Donc, ce qui va se jouer pour vous en mai va être vraiment libérateur. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Et ça vous mène vers une direction maintenant. C'est comme si vous pouvez vous affranchir de certaines difficultés. Et qu'une fois affranchi, ben, on se sent plus léger. Et quand on est plus léger, on peut avancer vers notre objectif. Vous ne pouvez pas avancer personnellement et socialement sans avoir libéré ces problématiques du passé, ces problématiques familiales. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, Leïla? Bonjour Leïla. Allez, on va consulter Leïla, voir ce qu'elle a comme message pour vous. Je crois que Leïla aujourd'hui est un peu fatiguée. Méditation, voilà, Leïla médite. Alors, une idée. Mais on est quand même de nouveau sur cette idée. Regardez, c'est le dernier quartier. C'est comme si c'est la phase finale. Donc vous êtes encore en méditation, en détachement. La balance, vous, par rapport aux autres, mais aussi à contrebalancer une situation, peut-être sur un problème aussi officiel. Le poisson qui nous symbolise de nouveau la maison 12, qui nous symbolise le lâcher prise, qui va très bien avec la méditation, le lâcher prise, le bien-être, le fait de se sentir intuitivement connecté à autre chose on ne peut pas l'expliquer, mais c'est comme si on doit laisser faire. On l'a dit, ouvrez-vous au grand mystère et laissez faire. Et c'est ça. Les choses là, en ce mois, sont en train de se rééquilibrer, que ce soit de façon générale, naturelle, par des prises de décision ou, comme je vous l'ai dit, de façon officielle. Regardez, on nous parle de réalisation. La pleine lune, donc vraiment, c'est un mois qui va vous permettre de boucler un cycle dans ce processus final. Chers amis Capricorne, et donc cet équilibre revient dans votre vie grâce à ça, pour magnifique Bélier, nouveau départ, pour agir et pour renaître. Allez, nous allons consulter Jack. Allez, nous allons consulter Jack, l'ami de Leïla. Allez, qu'est-ce que tu as, Jack, s'il te plaît, en ce mois de mai? Pour les Capricornes, nous avons l'introspection, mais c'est quand même malade, on vient d'avoir la méditation. Donc nous avons l'introspection, mais regardez ce 10 de pique,
C'est aussi une fin, c'est aussi la rapidité des choses, hein, le 10 de pique. Mais cette carte nous parle aussi d'initiation, de spiritualité. Donc on est vraiment en plein dedans. Ce détachement, ce lâcher prise, cette compréhension nouvelle qui nous fait croire que maintenant les choses se débloquent et qu'on est prêt pour autre chose, on est prêt à lâcher. On nous parle aussi néanmoins d'un défi majeur. Donc je pense que c'est quand même un mois hyper important sur le plan de la carrière. Et on vous dit aussi que vous sortez d'un piège. Donc les difficultés vont être derrière vous, chers amis Capricorne. Allez, pour les Capricornes, nous avons les actes manqués, les retards et les reports, la solution alternative à trouver, et on risque de vous décevoir. Alors, comment je vais placer ça par rapport aux autres ? Est-ce que par rapport à une situation, si on vous dit retard, report ou une situation alternative à trouver, effectivement, vous allez avoir besoin d'un temps d'attente, de réflexion, voire de vous faire conseiller, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher cette situation. Mais effectivement, voilà, il peut y avoir d'un petit peu de retard, de report par rapport à cette situation qui est en train de se terminer ou par rapport, effectivement, quand on nous parlait de défi. Est-ce que par rapport à un défi, une solution est à trouver avant de finaliser cette situation? Allez, pour les Capricornes, nous avons les résultats mitigés. Alors, effectivement, résultats mitigés, il y a un résultat, mais est-ce que vous n'êtes pas complètement satisfait ou que ça bouge relativement bien mais pas comme vous l'auriez voulu. Et donc, il y a cette idée, à un moment donné, bah, de lâcher prise, parce que bah, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout décider. Si, par exemple, vous êtes face à un notaire ou à un juge, bah, vous allez devoir lâcher prise sur sa décision. C'est comme ça, c'est acté. Donc, il vaut mieux faire peut-être 50-50, vaut peut-être mieux accepter à un moment donné de se dire bah, le processus, le cycle, il est fini, certes, pas entièrement comme je l'aurais espéré, mais en même temps, bah, on doit faire avec les autres, on doit faire avec une décision qui ne nous est pas propre. Et la balance, voilà, gardons notre équilibre dans cette situation-là. On parle aussi de quelque chose à régler. Donc effectivement, est-ce qu'il y aura quelque chose à régler, des décisions à avoir, des décisions à recevoir? Et donc je pense que c'est ça, dans ce cycle qui se termine, dans ce défi que vous traversez, ami Capricorne, vous aurez à avoir du détachement par rapport à une décision à prendre ou à recevoir par le fait que vous ne pouvez pas, voilà, on nous parle de solutions alternatives de nouveau. Si vous voulez, alors par contre, si vous voulez entièrement que ce soit comme vous le voulez, vous ne pouvez pas rester dans la même direction, vous allez devoir vous battre coriacement pour trouver la meilleure des solutions en fait, dans vos objectifs, dans votre carrière. Alors, donc tout ce qui est contrat, négociation, ici, ben de nouveau, il y aura quand même quelque chose qui va. C'est pas mauvais, mais c'est pas entièrement comme vous le souhaiteriez en fait. Parce que ça peut être aussi par rapport à un mariage, par rapport à une séparation, enfin, parce qu'on vous parle quand même de lâcher prise, d'avancer, de dernière phase. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais, moi, c'est parti. Donc, je commence par le tarot. Alors, les amis, j'ai fini la partie oracle. Donc ici, je vais prendre. Alors, vous êtes le seul pour qui je pense que vous aimez bien, après avoir vos autres planètes, mais. Je pense que c'est une couleur noire argentée qui devrait vous plaire. Les énergies majoritaires de votre mois, vos énergies à vous, ce qui va être en force, ce qui va être challengeant, le conseil pour bien vivre à votre mois, secteur pro, secteur finance et matériel, secteur sentimental et le potentiel événement petit ou grand du mois. Allez, quel est l'événement, pardon, quelle est l'énergie majoritaire de votre moi, les Capricornes? Nous avons
Magnifique, le chariot. Et le chariot, vous savez, c'est une des cartes qui symbolise le secteur professionnel, le secteur de l'indépendance, le secteur de on croit en soi, on sait qu'on peut avancer, débloquer les choses contre vents et marées. Donc cette idée aussi de progression, de succès, de réussite, de triomphe hein, pour le chariot. Alors pour certains, on nous parle peut-être d'un moyen de locomotion, de voiture, de déplacement, de voyage. Hein, d'autant plus qu'ici, elle avance lentement mais sûrement. Mais en tout cas, il y a une forme de progression. Alors sur le chariot pour les Capricornes. Et nous avons la princesse de bâton. Alors ici, la princesse représente... Effectivement, le valet de bâton. Donc, il y a comme une nouvelle impulsion, quelque chose qui vous permet d'avancer, de progresser et vous avancez aussi vers quelque chose de nouveau, vers une renaissance. Le valet de bâton ici pourrait représenter effectivement cette énergie du bélier qui impulse, qui initie. Et voilà, peut-être qu'effectivement, il y a un changement professionnel, il y a de la nouveauté au sein de votre professionnel, que vous initiez vous-même des actions, de vous lancer en tant qu'indépendant aussi. Les amis Capricorne. Alors, pour les Capricornes sur le chariot et le bâton. Oula, deux. Alors, est-ce que je prends la croix? Ben oui, voilà. Regardez. Donc, le cavalier montre bien du mouvement, une progression, une bonne nouvelle aussi, sans doute, pour vous faire avancer. Et sur le plan professionnel, la croix est ressortie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose... À débloquer quelque chose, à dépasser. Vous êtes dans cette phase finale de vous libérer pour avancer, pour progresser, pour débuter quelque chose de nouveau. Alors vos énergies, et de nouveau le cavalier qui peut nous parler effectivement de quelque chose. Est-ce que certains s'achètent une nouvelle voiture, ou est-ce qu'il y a quelque chose de relatif à une nouvelle voiture si vous venez de l'acheter? Alors, pimper votre voiture, par exemple, parce que vous allez acheter, je ne sais pas moi, un nouveau tapis ou des nouveaux pneus ou que sais-je. Alors, vos énergies, amis Capricorne. Nous avons encore un valet de pentacle. Donc, vous êtes dans les énergies de votre moi. Vous prenez les choses en main, vous voulez commencer quelque chose, vous voulez vous enrichir, vous voulez investir dans... en vous-même, en un travail. Ici, si vous êtes la personne qui commence quelque chose, par exemple, même au niveau du travail, on voit qu'on peut vous faire confiance parce que vous êtes investi, vous avez envie de faire bien, d'apprendre, d'être là, par exemple, même vous donne des tâches, et ben vous êtes content de les avoir, limite vos tâches. Alors, sur le valet de pentacle dans vos énergies, nous avons le roi de bâton. Donc, vous êtes dans un objectif ici d'avoir du contrôle, de la maîtrise, de la planification. Parce qu'on a la 10 d'épée qui se retourne. Donc, c'est un chemin qui a été long, un processus difficile pour vous, que là, c'est bon, c'est derrière vous. Et que là, maintenant, vous avez le plein pouvoir de votre vie pour initier les choses nouvelles, hein, notamment sur la destinée et la carrière. Alors, sur votre énergie... Votre façon de faire va changer aussi. Regardez, vous vous ouvrez aux nouvelles possibilités. Vous avez aussi envie de conquérir un nouveau monde. Vous avez envie de vous libérer d'une certaine façon. Je vois ces papillons qui s'envolent, qui quittent comme une maison et qui retrouvent sa liberté. Donc voilà, vous reprenez le contrôle, vous reprenez votre liberté et vous avez envie de faire les choses différemment. Alors, ce qui va être en force pour vous, vous avez cette volonté, hein. Parce qu'il va être en force. La force, regardez, la force, la clarté d'esprit, la maîtrise de vos émotions par vos idées, par votre mental. Vous arrivez à y voir clair, vous arrivez à prendre des décisions. Et de nouveau, c'est cette idée de nouveau départ. Vous allez pouvoir officialiser, vous allez pouvoir concrétiser. Les nouvelles idées, elles vont fuser chez vous. Prendre les choses en main aussi, ça va être votre force. Donc, si vous n'avez pas pu le faire jusque-là, vous allez pouvoir le faire. Alors, sur l'as d'épée, ça va être en force. L'homme, pouvoir d'action, pouvoir d'entreprendre, mais également peut-être relative à une situation qui est en lien avec un homme. Peut-être que là, les choses sont en train, ce processus, de se placer.
Je vais en tirer une petite deuxième. Et l'anneau. Donc voilà, vous allez pouvoir vous engager. Vous allez pouvoir aussi, pour certains, si vous êtes en situation de divorce, bah, prendre la main, le contrôle, ou en tout cas pouvoir aller vers ce processus de séparation. Mais il y a un engagement entre vous et une personne. Il y a quelque chose qui se règle entre vous et une personne. Allez, sur le challenge. Est-ce que vous allez faire une négociation avec un voyage, avec un véhicule, quelque chose comme ça? Alors, le challenge, 10 de pentacles, peut être effectivement relatif à une histoire de famille, à une histoire de maison. Ça peut être aussi relatif à un placement, à une grosse somme d'argent ici. Peut être relatif aussi au passé. Parce qu'il y a des choses à régler, effectivement, avant un nouveau départ, à régler par rapport à une situation qui s'est construite. Alors, sur le challenge... Et le 7 de bâton. Donc, c'est pour ça qu'avec la famille ou l'héritage ou le passé ou l'argent, 7 de bâton, il y a effectivement des gens qui ne sont pas dans la même énergie que vous, dans le même accord avec vous et que vous allez devoir vous défendre, défendre votre opinion, empêcher certaines personnes de vous... vouloir vous inclure dans leur façon de penser. Par exemple, eux, ils décident autrement et ils essayent de vous faire... courber le dos pour dire bon allez c'est bon, on va le faire signer parce que nous on veut comme ça. Et là le truc c'est non, force de conviction, on va pouvoir trouver un accord, je le sais, même si c'est pas facile, même si les résultats sont mitigés, même si c'est pas entièrement effectivement et qu'il faut contrebalancer, mais vous allez aussi peut-être c'est vrai, comme je vous l'ai dit tantôt, des fois pour pouvoir trouver la paix et l'harmonie vaut mieux des fois un peu baisser les armes. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que ben, pour vous, c'est pas facile parce que vous n'êtes pas le signe qui baisse les armes en général. Vous y allez coûte que coûte, vous y allez vers ce que vous voulez. Et là, ben, vous savez, des fois, c'est plutôt se mettre d'accord que pour vous dire que sinon, la bataille, elle en terminera jamais en fait. Donc, voyez jusqu'à quel point vous voulez vous battre, parce qu'à un moment donné, la paix et l'harmonie, vaut mieux la gagner. Enfin, selon moi. Le conseil, justement, voir ce que le conseil, ce que le tarot vous conseille. Nous avons l'amour, voilà. Vous devez passer à autre chose, vous devez en finir avec certaines choses, vous devez accepter les fins. Processus de libération, processus de deuil, processus de séparation, vous devez couper et terminer avec tout ce qui est devenu pourri dans votre vie, si je peux, voilà, formuler ça comme ça. Accepter... Voilà que les choses ben, se clôturent et que puis c'est comme ça, c'est la vie. Réalisation, pleine lune, réalisation, la mort, donc détachement. Allez, le conseil sur la mort. Nous avons la croix. C'est fini, c'est la fin. Mais c'est... Voyez ce qui peut mettre fin à vos difficultés et aller vers ce chemin de libération du poids de ce que vous avez dans la vie. Peut-être aussi que le conseil, ça va être sur le plan spirituel, d'avoir foi, où on avait vu ouvrez-vous au grand mystère, que vous ne pouvez pas vous tout maîtriser, que le planning là-haut, c'est, même si on a toujours le libre arbitre, c'est de mettre des événements, des fois sur notre route, quand des fois nous-mêmes, on n'arrive pas à se dépatouiller d'une situation. Ils vont nous mettre des événements un petit peu plus évidents, brusques, ben, pour nous faire lâcher prise et puis pour nous permettre d'avancer. Même si sur le coup, c'est pas facile, mais en fait, c'est un cadeau difficile à accepter, mais c'est un cadeau de la vie. Alors, sur le plan professionnel... Nous avons, superbe, la 8 de Pentacle, donc qui nous parle bien d'investissement au sein de votre professionnel. On avait vu qu'on avait le 20 de Pentacle, on avait vu qu'on avait le chariot, on avait vu qu'on avait des nouveaux départs. Donc, il y a peut-être cette possibilité de se former, de former quelqu'un. Cette idée que vous êtes en vraiment, vous aimez, vous allez kiffer votre moi sur le plan professionnel pour X raisons, ami Capricorne. Il y a peut-être quelque chose d'artistique aussi qui est... Peut-être, ouais, quelque chose qui vient. Qu'est-ce qu'on a encore? La reine d'épée. Alors, est-ce qu'on avait une reine dans votre jeu jusque-là? Non.
Maintenant, il y a cette idée quand même d'apprentissage et de savoir. Donc, est-ce que vous allez encore mieux maîtriser votre pro de par une formation, de par aussi, je vous dis, peut-être que c'est vous-même qui allez accompagner quelqu'un dans un professionnel, donc une nouvelle personne qui rentre dans l'entreprise. Est-ce que c'est vous-même qui effectivement allez, on avait vu hein, le plan de la carrière, vous êtes reconnu pour votre savoir-faire dans le plan professionnel. Donc il y aura une forme de reconnaissance à ce niveau-là. Alors, sur la 8 de Pentacle et la reine d'épée sur le plan professionnel, est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est une femme? Si ce n'est pas votre énergie, c'est une femme qui aura une importance. Regardez, le fait de trouver des clés. Donc vous allez trouver des clés et des solutions et des propositions. Vous allez sans doute aussi devoir réfléchir à une proposition professionnelle. Avec l'ours, vous gagnez, je vous ai dit, en... Alors, certains sont patrons, mais d'autres ne sont pas patrons, mais c'est comme si on vous donnait plus d'importance, plus de responsabilité en termes professionnels. Et est-ce que là, vous allez aussi discuter pour certains avec votre patron? De possibilités ou de situations à débloquer sur le plan professionnel. Et moi, clairement, la carrière qui est sortie tout de suite nous montre bien que ça va vraiment se jouer. Alors oui, on va devoir négocier. Oui, les résultats seront peut-être mitigés, mais il y a quelque chose qui va se jouer quand même d'important. Alors, qu'est-ce qui va être à l'issue? Le bouquet. Regardez, c'est une réjouissance, c'est une offre. C'est beau. Sur le plan pro, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Donc, c'est un très beau mois. Et de nouveau, le bouquet peut symboliser une femme. Est-ce que vous avez une femme en tant que boss ou est-ce que c'est vous-même qui êtes boss en ce mois? Peut-être qu'on va vous déléguer pour un mois, je ne sais pas, admettons, votre patronne ou patron part pendant X temps pour raison familiale ou autre et qui n'a plus la possibilité de gérer l'entreprise ou la société dans laquelle vous travaillez et que vous êtes son meilleur élément et que il vous donne une responsabilité supplémentaire en ce mois. Pas obligé de durer à vie, mais voilà. Allez, finances, matière. Nous avons le 4 de bâton. Alors, il y a quelque chose relatif à la famille, au foyer, à une maison. Mais il y a une stabilité qui est là dans vos actions. Et la 10 d'épée. Vous regagnez une forme de stabilité financière suite à des difficultés, suite à un long processus qui a pu être relatif à une séparation, à un deuil, en tout cas à des difficultés que vous avez pu rencontrer. Il y a aussi des changements, ici, des changements de maison, quelque chose de nouveau, de toute façon, on voit bien dans votre vie. Vous êtes en train au moins d'être dans ce processus d'apporter de l'action. Hein. Peut-être que certains, effectivement, allaient déménager, même s'il y a effectivement des difficultés qu'il faut encore vous battre par rapport à un prêt, par rapport à une maison quelconque. On voit bien qu'il y a l'accord, il y a ce nouveau départ. Il y a vraiment du changement. C'est la phase de libération pour vous. Allez, pour les Capricornes, il y a beaucoup de jeux. Allez, pour les Capricornes. Sur le plan de la matière, nous avons la faux. Vous voyez, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin des difficultés. Vous allez récolter le soleil, donc vous allez récolter la réussite. Vous en finissez avec quelque chose pour aller vers un éclaircissement, une éclaircie, pour aller vers une sécurité, une forme de bien-être, pour aller vers un aboutissement sur le plan du financier. Et si vous mettez fin, regardez, vous avez l'étoile, donc vous vous dirigez vers un mieux, vers un objectif, vers un idéal. Alors oui, pour certains, peut-être que oui, vous mettez fin aussi à une situation où vous étiez marié, engagé avec quelqu'un. Hein, c'est possible, hein, tous les cas de figure sont là, mais c'est quand même de belles énergies que vous avez. Et si on additionne ici 3 et 1, on est sur 4. Comme la 4 de bâton et la 10 pour la faux. On avait la 10 d'épée, donc on est exactement sur les mêmes énergies. Alors, secteur sentimental, nous avons la tempérance, donc déjà un bien-être, une guérison, une libération, un échange, des discussions qui essayent d'amener un équilibre. La tempérance peut nous reparler aussi du passé,
Oups, là. Attendez. Allez, la tempérance, on peut avoir effectivement des... On avait vu l'expression des discussions sur le plan sentimental. Nous avons là 9 de bâton. Sur le plan sentimental, peut-être qu'en couple, là, il y a un peu un besoin de calmer une situation, de pondérer, de mettre de l'eau dans son vin. On avait vu la balance, résultat mitigé. Il y a quelque chose de difficile sur le plan émotionnel, sentimental. C'est comme si vous vous tenez bon, vous vous accrochez à quelque chose, vous essayez de vous battre, de négocier. Mais en même temps, c'est comme si vous mettez des limites et des frontières. Et finalement, il vous demande plutôt de l'introspection. Et de lâcher prise par rapport à cette situation-là. Alors, si le passé revient, bon, là, vous êtes relativement sur la défensive. Et, ouais, la 5 de bâton. Regardez, sur le plan sentimental, ça va être assez challengeant pour vous. Il y a quelque chose comme un obstacle. Est-ce que vous n'arrivez pas aussi vous libérer du passé? Est-ce que ce passé revient à vous, mais que vous allez vous engueuler avec? Est-ce que vous allez revenir sur une, par exemple, en couple, sur quelque chose qui s'est passé dans le passé, et genre, on va remettre ça sur le tapis? Et puis, on va se, de nouveau, ça va être la chamaille de nouveau. Alors, de nouveau, par contre, et la justice. Donc, il y a vraiment quelque chose à recadrer. Il y a vraiment des prises de décision. Il y a vraiment quelque chose à rectifier sur le plan sentimental. Ça peut passer par la justice, hein, la mort, la transformation. En tout cas, quelque chose à transformer, à libérer, à trancher. Si vous faites une rencontre, sachez, chers amis, que ça va être compliqué d'y voir clair. Ou en tout cas, que cette rencontre, si ça marche bien, puisse se vivre bien parce que vous aurez, et je pense que c'est pour ça que vous allez plutôt être objectif carrière, objectif pro, et que ce chariot et ce roi de bâton nous montre vraiment quelqu'un d'indépendant qui fait sa vie, qui fait sa life, et que finalement, parce que le secteur émotionnel, sentimental a l'air assez compliqué pour vous. Voilà, je pense que ce défi, effectivement, peut être lié entre vous et votre partenaire, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur. Il y a quelque chose qui voilà, un équilibre qui a du mal à se maintenir, hein, ou à être trouvé, ou un accord qui ne se trouve pas, hein, malgré les échanges, malgré les compromis. Ça a l'air compliqué. Alors, sur le plan sentimental, avec le petit Lenormand pour les Capricornes, nous avons le livre. Donc, est-ce que là, on voit bien que vous êtes dans l'échange pour en savoir plus, pour découvrir certaines choses? Est-ce que quelqu'un se ferme, ne veut pas accéder à l'échange? Avec les nuages, on voit bien que ce que vous pouvez découvrir vous met dans le doute, dans la confusion, que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ce que l'autre veut, que c'est un mois trouble, que c'est un mois où on vous dit que c'est passager aussi. Allez, sur le plan sentimental, est-ce qu'on peut... Regardez, vous avez de la méfiance. Vous avez de la méfiance, vous avez de la méfiance ici par rapport à une problématique que vous rencontrez au mois de mai sur le sentimental, qui pour moi est déjà là depuis un petit moment. Est-ce que pour certains, vous allez effectivement aller voir peut-être une personne qui peut vous aider? C'est peut-être voilà, un psychologue, on avait vu, hein, quelqu'un qui peut vous aider dans cette situation de trouble. Mais j'ai surtout l'impression que c'est vous-même qui sentez qu'il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose de pas net, à éclaircir, à en savoir plus. Mais voilà. L'échange, en tout cas, et la prise de... Vous n'allez pas trouver, pour moi, une solution avec votre autre ou vis-à-vis de cette personne en ce mois. C'est... Alors, pour certains aussi, il y a cette idée, vous voyez, avec le livre, le secret, est-ce que vous allez devoir tenir des choses secrètes? Admettons, je prends le cas de figure où vous rencontrez quelqu'un qui est marié, ou vous qui êtes marié, ou en tout cas en union, et bah, ça ne vous convient pas, en fait. Ça ne vous convient pas. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ce défi, pour moi, il est effectivement relationnel en ce mois de... Mais, allez, on va voir, on développera dans la partie sentimentale, les amis. Allez, événement du mois. Petit ou grand événement du mois. Nous avons la 2 de Pentacle. Alors, 2 de Pentacle, effectivement, ça peut être garder au mieux un équilibre. Alors, ça peut être aussi ici, hein, quand même, on a sur le plan sentimental, parce que... ou passer d'une chose à une autre, que dans votre façon de gagner votre vie. Effectivement, s'il y a un changement sur le plan professionnel, par exemple, ça peut être ça.
Parce qu'il y a une dualité peut-être en vous. Alors sur la 2 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Donc, par rapport au fait d'être bien dans votre peau, bien dans votre sécurité financière, matérielle, bien dans votre environnement, dans votre confort de vie, il y a effectivement quelque chose comme qui s'ajoute. Le 2, ça peut être quelque chose qui vous vient de l'extérieur, ça peut être quelque chose qui vient modifier effectivement ce que vous avez. Alors déjà sur le plan professionnel, on voit bien que vu qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution possible, il y a si c'est lié au professionnel, cette idée que vous allez vraiment arriver à un plein accomplissement grâce à un changement sur le plan des finances. Alors si c'est sur le plan des finances, même s'il y a du challenge, effectivement, ça a été peut-être un peu difficile, mais on voit que vous réceptionnez quelque chose qui vient comme vous enrichir. Donc c'est vraiment au niveau financier et matériel là que ça se joue. Alors, 2 de Pentacle, Reine de Denier, est-ce qu'une femme ici entre en jeu? La Lune, donc oui, la Lune peut nous parler effectivement de nouveau de quelque chose qui est relatif à la famille, au foyer, au passé. Alors là, je fais référence à la Lune, effectivement, même si c'est le petit Lenormand du tarot, mais de quelque chose qui était en gestation et que vous pouvez enfin recevoir, qui amène un peu comme du beurre dans les épinards, mais... La Lune, c'est une reconnaissance sociale aussi, quelque chose qu'on vous octroie. Est-ce qu'une femme, effectivement, on avait la Reine d'épée au sein du professionnel. Est-ce que... regarde, oui, c'est, moi, je pense qu'il y a une évolution sur le plan du financier qui est là, qui peut être relatif, effectivement, à une femme, quelque chose qui a été en attente. Mais c'est de part vraiment la reconnaissance qu'on vous octroie là sur le plan du financier, comme si ça venait un petit peu amener du beurre dans les épinards. Chers amis, parce que regardez, il y a les petites souris derrière. Pour d'autres, peut-être que vous êtes stressé par de nouvelles responsabilités qu'on vous donne. Ça, c'est possible aussi. Pour d'autres, il y a cette idée aussi. Alors, Cigogne Lune, peut-être qu'il y a un état d'être. Peut-être que admettons, vous êtes enceinte, je ne sais pas. Vous avez un nouveau statut personnel parce que la destinée, c'est comme si vous étiez, par exemple, en couple, mais sans enfant, et comme s'il y avait quelque chose, on avait quand même la famille, quelque chose qui peut venir... on avait la gestation, est-ce que vous devenez maman? Est-ce que vous apprenez que vous êtes maman? Parce qu'il y a un stress dans une chance, en fait. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire, par rapport notamment, enfin, pour tout, mais surtout pour ce cas de figure-là que je donne, parce que c'est assez particulier. On se retrouve dans la vidéo sentimentale, donc si vous la regardez la générale tout de suite, vous pouvez ne pas la voir tout de suite parce qu'elle va être postée quelques jours plus tard. Donc théoriquement c'est prévu pour le 1er mai, mais il se peut que je la place en avance. Mais au plus tard ce sera le 1er mai, mais c'est possible que déjà par exemple au 25 avril ce soit placé. C'est en fonction de mon envie, hein, vous me connaissez maintenant les amis. Prenez soin de vous, j'espère que cette guidance vous a plu, parler et vous aidera, vous guidera. N'hésitez pas à venir la voir courant le mois et aussi à la fin du mois pour me dire en commentaire comment ça s'est placé dans votre vie. Merci à tous, merci pour vos likes, partages, gentils commentaires et abonnements. Et aussi aux personnes qui me retrouveront sur Facebook, TikTok et Instagram. Donc voilà, j'en termine avec vous, ami Capricorne. Vous êtes le dernier signe que j'ai abordé pour ce mois de mai. Et je suis contente parce que c'était un très beau tirage. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.